Bien. Eh bien, écoute, très bien, on essaye de s'adapter à la situation, c'est pas facile. Ouais. Bon, alors, t'es sorti de chez toi un petit peu ou tu restes complètement confiné? Non, ouais, je sors de chez moi le matin assez tôt, le week-end, vers 7 h, je crois, Ouais. pour faire du footing le matin. Ah, On fait d'accord. le tour et on essaie d'éviter les patrouilles et d'éviter la gendarmerie qui est tout proche. D'accord, mais de toute façon, tu fais le tour, tu vas pas loin, tu vas pas loin. L'attestation, il en reste 1 km. Voilà, c'est ça. Bon, ben, c'est bien, c'est bien. Très bien. Et alors, comment s'organise ta journée un petit peu? Tu peux me raconter? Alors, je me lève tous les jours à 7 h. Je commence le travail à 8 h 30. Et je finis le travail, je fais une pause à 12 h 30. De 12 h 30 à 14 h, je fais un peu ce que je veux. Je lis, je joue un peu aux vidéos, enfin voilà, quand le temps libre. Et après, jusqu'à de 14 h à 16 h ou 17 h, suivant la dose de travail, je travaille. Et à 17 h, je vais me laver et on fait aussi temps libre, jeu et tout ce qu'il y a. Bon, C'est et par ça. rapport donc justement au travail qu'on te donne et tout ça, est-ce que tu arrives à suivre le rythme? Est-ce que y a des soucis? J'arrive avec un petit peu de mal à suivre les demandes que les profs me demandent parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs emplacements sur l'école directe ou sur l'école directe et en fait, plusieurs profs mettent un endroit de travail et d'autres professeurs le mettent à un autre. Du coup, c'est compliqué. Ça nous fait 4 ou 5 emplacements possibles pour trouver le travail. Du coup, il faut regarder tout le temps. D'accord, je comprends Après, bien, oui. D'accord, après ok. ça, ah, ça va. Hein. Ouais, bon. Très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu regardes un petit peu la télé, tu disais? Non, Pas du tout? Tu regardes pas de série, non? je m'en fiche complètement, à part pour regarder un film ou deux des fois quand j'ai du temps. Mais après, sinon, j'ai du travail, et après, voilà, quoi, on sort le plus possible, on fait du ping-pong, on joue avec les chiens, on s'occupe du jardin, enfin voilà, quand on sort, parce que la télévision, quoi, surtout avec ce qu'il y a maintenant, on fiche un petit peu. Ouais. Ouais, mais t'as pas Et tu m'as. de série que tu regardes, non? J'ai la tête fixe alors. D'accord. Bon, et ensuite, tu lis un petit peu? Oui, le soir, oui. On se couche à 21 h 30 pour avoir une Un assez. rythme. Ouais, un rythme assez. Tranquille. Et ouais, je lis jusqu'à 22 h 30 suivant le temps ou si je suis fatigué ou pas. Et alors, qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à tes camarades? Et pourquoi tu le conseilles? C'est compliqué, je connais pas tous les goûts de personne, mais après, Qu'est-ce moi que ce tu que je lis lis, toi en ce moment et pourquoi ça te plaît? moi ça me plaît ce que je lis. Je lis sur des mangas ou alors je lis souvent des romans et des livres sur l'histoire des commandos de la Seconde et le reste de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à maintenant en fait. Du coup, c'est assez intéressant de se dire. Il y a 75 ans de ça, il y a des gens qui sont allés à tel ou tel endroit alors que leurs maisons elles sont à l'autre côté du globe et ils y vont risquer leur vie. Parce que D'accord. comment. Voilà, c'était ça. Bon, bah, très Hein. bien. Et est-ce que tu aides un petit peu à la maison? Est-ce que tu fais la cuisine? Je fais pas la cuisine, mais j'étends la lessive, je la Ah. plie. Je fais quoi? Je mets la table. Bon, après ça, c'est normal, mais Oui. je fais plein d'autres. J'aide papa à rafistoler le grillage que les chiens ils poussent à force d'aboyer, même si on leur aboyait parce que, bon, on est entouré de chats, alors c'est un peu Le problème. Tu as combien de le bal. chiens? Ouais. Combien? Oui. Pardon? J'en Combien ai t'as de deux. chiens? Deux. Comment ils s'appellent? Icy et Kavak. Je Wow. dirais pas le diminutif de Kavak, mais.
ou Bon, pareil en quand même. Amérique. Bon, sinon, tu gardes le moral, ça va, par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que Oui, t'en penses, toi, de cette situation? De cette situation de virus-là? je pense que c'est une bonne occasion de développer l'autonomie chez des gens comme moi. Enfin, moi, une grosse feignasse comme je suis, ça m'aide un peu, quoi. Oui, ça t'oblige à t'organiser et puis Ouais, beaucoup. voilà, prendre sur toi, oui, tout à fait. Bon, bah, c'est très bien. Bon, et donc pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à tous tes camarades qui vont voir cette vidéo? Restez chez vous. Oui. Ben, je sais pas, moi, le mot que tout le monde dit, restez chez vous et profitez de vos familles et de surtout de vos grands-parents, quoi. Les pauvres, ils doivent avoir les boules, quoi. La pauvre. Est-ce que pour Pâques, vous allez faire quelque chose de particulier? On ne sait pas s'il y a Pâques. Non. Mais je pense qu'on va rester à la maison et profiter. Très bien, parce que lundi, pas d'école directe. Hein? Comment? Lundi, pas d'école directe. Ben ça, c'est cool, ça. Ah, Lundi, pas et oui, d'école. lundi, c'est férié. Ah, ben voilà. Là, moi, je vais pouvoir regarder la télé. Bon, bah écoute, super, je te remercie, Louis. Et puis, voilà quoi. Donc, pour vous, les troisièmes, il y aura quand même un conseil de classe au troisième trimestre. Hein. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, si on rentrera d'ici la fin de l'année ou pas. Enfin, bon, voilà. Mais donc, tout se joue encore par rapport à l'orientation. Donc, il faut continuer à rester sérieux pour préparer Ouais. aussi l'année prochaine. Hein. Vous avez coupé la vidéo là, vous pensez? Non? Ah, alors. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, d'accord? Allez, je vais couper. Mais ça, il y en a. Ah, il est là ton chien? Oui. Entre deux?